écoutez AMG chaîne 3, le journal. Au sommaire, en sa qualité de représentant du président de la République, le Premier ministre se rend aujourd'hui à Kampala, en Ouganda, pour prendre part à deux sommets, celui des non-alignés et des 77 plus la Chine. La réunion ministérielle précédant ce sommet a approuvé la candidature de la Palestine en tant que membre à part entière. Le mouvement des non-alignés examinera demain la proposition de l'Algérie, sollicitant le mouvement à soutenir la question palestinienne. La Russie appelle les États-Unis à cesser ses attaques contre le Yémen. Des positions houthis ont été ciblées cette nuit. Il s'agit de la quatrième fois en l'espace d'une semaine. Et puis sport football au programme de la CAN ce jeudi, Côte d'Ivoire contre Nigeria, Égypte contre Ghana ou encore Guinée équatoriale contre Guinée-Bissau. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Pour commencer, ces audiences accordées par le président de la République hier à des diplomates. Abdelmadjid Tebboune a reçu le ministre congolais des Affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais à l'étranger, Jean-Claude Gokoso. Gokoso a indiqué avoir remis au président un message de son homologue congolais et l'invite à prendre part au sommet des chefs d'État et des pays membres du comité de l'Union africaine de haut niveau sur la Libye, prévu à Brazzaville. Nous avons eu l'honneur d'être reçus par son Excellence. لنا الشرف بأن نحظى باستقبال سيد رئيس الجمهورية. جئنا حاملين لرسالة من السيد الرئيس دونيس ساسونغيسو تتعلق بدعوة لسيد رئيس الجمهورية لزيارة برازافيل للمشاركة في قمة رؤساء الدول للجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا. الملف الليبي ملف معقد ولا أحد يمكن له الإحاطة بمعرفته كالجزائريين. الجزائر قوة مركزية في المنطقة بحدود كبيرة مع هذا البلد. تطرقنا إلى القضايا الثنائية حيث هناك آفاق جيدة لتطوير العلاقات بين الجزائر والكونغو برازافيل في ميدان الغاز. الجزائر لديها خبرة كبيرة في هذا المجال والكونغو تخطو أولى خطواتها في هذا القطاع. وهناك رغبة بأن الشركتين الوطنيتين سوناتراك وأسان بي سي تعملان يدا بيد في هذا المجال لتأكيد سيادة دول القارة الإفريقية وقدرتها على التحكم في الطاقة. Le président de la République a par ailleurs reçu hier l'ambassadeur d'Italie en Algérie qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission. Il a relevé la qualité des relations qui lient les deux pays. En sa qualité de représentant du président de la République, le premier ministre Nadir Al-Harbaoui se rend aujourd'hui dans la capitale ougandaise, Kampala, pour prendre part aux travaux du 19e sommet du mouvement des non-alignés et du 3e sommet des groupes des 77 plus la Chine. Les deux s'étaleront du 19 au 23 janvier. Al-Harbaoui sera accompagné du chef de la diplomatie algérienne. Lors de la réunion au niveau ministériel, Ahmed Attaf a soutenu que la question palestinienne avait besoin de plus de soutien et pourra compter toujours sur celui de l'Algérie. L'Algérie s'engage de tout son poids à contribuer en toute rigueur et responsabilité et à œuvrer au sein du Conseil de sécurité de l'ONU pour préserver les intérêts du groupe des non-alignés. Ce groupe aspire à une position forte et ferme lors du prochain sommet autour de la question palestinienne qui traverse une période des plus dangereuses de son histoire. Ahmed Attaf appelle le mouvement des non-alignés à soutenir l'initiative de l'Afrique du Sud devant la CIJ. Dans ce cadre, l'initiative de l'Afrique du Sud de déposer plainte contre l'occupation israélienne colonialiste devant la Cour internationale de justice pour génocide de guerre à Gaza nécessite et exige de notre part tout le respect et tout le soutien, car il s'agit de la meilleure démarche sur la bonne voie. C'est justement dans ce contexte très tendu qu'intervient ce 19e sommet du mouvement des non-alignés. Il s'agit d'une extermination ethnique qui nécessite l'appui de l'ensemble des pays à cette cause, Kalima Hasnaoui.
L'enjeu du sommet est de taille. Il s'agit entre autres d'unifier les rangs des pays membres du mouvement des non-alignés autour de la cause juste palestinienne. L'Algérie appelle à une position plus forte et ferme du MNA, une position à même d'accélérer la création d'un État palestinien indépendant et souverain comme solution radicale et définitive à l'ensemble du conflit, comme l'a indiqué le ministre des Affaires étrangères lors de la réunion ministérielle préparatoire du sommet. L'Algérie, à travers cet appel, consacre les principes même du mouvement des non-alignés, selon Bedis Rinissa, expert en relations internationales. Il faut revenir à la genèse et le contexte qui a poussé à initier le mouvement des pays non-alignés lui-même, et surtout les buts recherchés par cette grande alliance d'États. La déclaration de La Havane en 1979 est très claire et limpide, à savoir la lutte contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et toute forme d'ailleurs de ségrégation qu'elle soit. Elle assure également l'indépendance et surtout défend la souveraineté des États membres et dont la Palestine en fait partie. J'ai un Sud global qui a pris de plus en plus conscience de son rôle stratégique et même alternatif dans le nouvel échiquier international. Et il en va d'ailleurs de sa crédibilité aujourd'hui de défendre la cause palestinienne et de peser de tout son poids pour faire bouger les lignes, surtout les équilibres géopolitiques mondiaux, notamment pour mettre un terme surtout à l'impunité de l'entité sioniste. La réunion de demain permettra-t-elle d'unir les membres du MNA autour de la Palestine? Élément de réponse avec Bedis Rinissa, expert en relations internationales. Seul bémol, et je dirais ombre au tableau, la normalisation de certains États membres des non-alignés avec l'entité sioniste, normalisation initiée, voire même accélérée après les accords d'Oslo en 1993. Pour conclure, le défi, je dirais, reste bel et bien intact, ceci étant la cohérence de la feuille de route des pays non-alignés, conjuguée à l'éveil des consciences, amorcée d'ailleurs et défendue par certains États influents tels que l'Algérie, sa diplomatie, ainsi que l'Afrique du Sud, pourront être des curseurs de changement et surtout des facilitateurs de convergence de vues relatives au dossier palestinien comme priorité absolue. La proposition sur la demande de qualité de membre à part entière de l'État de Palestine à l'ONU a été approuvée lors de la réunion préparatoire, en attendant sa validation lors du 19e sommet à Ouganda, une proposition sur laquelle attend insister le président de la République Abdelmadjid Tebboune, pour laquelle il a plaidé lors du sommet arabe tenu en novembre 2022 à Alger. Et l'Afrique du Sud appelle les pays arabes signataires du dit accord d'Abraham à se retirer de ce processus en raison des agressions barbares continues des forces de l'occupation sioniste. Les Palestiniens appellent eux à une réunion d'urgence de la Ligue arabe pour mettre un terme à ce génocide. Le Parlement arabe tiendra pour sa part dimanche prochain sa deuxième session pour discuter notamment des derniers développements en Palestine occupée. 93 personnes ont péri cette nuit dans des frappes de l'occupant sioniste sur Gaza, notamment dans le Sud, où celle-ci a intensifié ses opérations morbides. Alors que la guerre fait craindre un embrasement régional, l'armée américaine a visé pour la quatrième fois en moins d'une semaine les Houthis sur leur territoire. Les Houthis, qualifiés à nouveau hier d'entités terroristes par Washington, ont revendiqué une nouvelle attaque contre un navire américain au large du Yémen. Le ministre russe des Affaires étrangères appelle aujourd'hui les États-Unis à cesser leur agression contre le Yémen. 12h bientôt, 39 minutes sur Alger Chaîne 3. Retour à présent sur la visite du général d'armée, chef d'état-major de l'ANP à Oran. Le chef d'état-major qui a salué les efforts des personnels de l'établissement de construction des aéronefs, des efforts qui permettront le maintien des capacités opérationnelles de nos forces, dit-il, face aux situations d'urgence. Je vous propose d'écouter Saïd Chinkriha. J'ai toujours veillé à visiter cette unité industrielle, leader en son domaine à l'échelle nationale, et à m'enquérir personnellement de son fonctionnement, et à encourager et soutenir les efforts déployés par ses personnels dans l'accomplissement des missions sensibles qui leur sont dévolues dans le domaine de la construction et la réparation aéronautique. Ces efforts permettront le renforcement de la disponibilité de nos forces armées et le maintien de leurs capacités opérationnelles face aux différents dangers et menaces, ainsi que la lutte efficace contre toute situation d'urgence, quelle que soit sa nature et son origine. Le chef d'état-major, qui s'est également dit satisfait des réalisations accomplies et appelle à davantage d'efforts.
Je valorise les réalisations et les étapes considérables franchies jusque-là dans l'ensemble des domaines d'activité programmée et j'attends des responsables et des personnels de l'établissement de consentir davantage d'efforts en vue d'obtenir plus de réalisations qualitatives et de veiller à l'entretien selon les normes prescrites de toutes les chaînes de production modernes et de haute technologie en dotation. وفقا للشروط المطلوبه والمعايير المعمول بها في هذا المجال. Les éléments de l'ANP qui ont réussi à mettre en échec des tentatives d'introduction de plus de 4 quintaux de kif via la frontière avec le Maroc, 47 narcotrafiquants ont été arrêtés dans des opérations menées par des détachements combinés de l'ANP en coordination avec différents services de sécurité, indique un bilan opérationnel rendu public par le ministère de la Défense nationale. Le Marzane qui cumule les scandales, le dernier en date concerne 5 hauts responsables marocains, dont le patron de la police. Ils font l'objet d'un mandat d'arrêt mis par la justice chypriote. Ils sont accusés de fomenter ou d'avoir fomenté un plan pour assassiner la militante Amel Boussahada en raison notamment de son soutien à l'ancien ministre Mohamed Ziane. Ce dernier croupit toujours dans les geôles marocaines pour avoir dénoncé la corruption et la répression du Marsen. Chez nous, les travaux du projet d'aménagement et de dépollution de Wad El Harraj s'achèveront en mars prochain. Le gouvernement a fait le point hier lors de la réunion présidée par le Premier ministre Nader El Harbaoui sur les dernières étapes de ce projet. L'exécutif s'est penché sur la mise en place de sept nouvelles wilayas déléguées. Ce 18 janvier, c'est la journée nationale de la commune en commémoration de l'apparition du premier code communal instauré en 1967. Le code communal est actuellement en révision. La nouvelle mouture s'articulera autour de l'aspect financier et la capacité des communes à créer de la richesse. Sophia Boukercha. Nouveau code, plusieurs changements. L'objectif est d'instaurer une nouvelle ère et donner plus de prérogatives aux élus, leur garantir la protection et aussi concrétiser le concept de la démocratie participative. Alal Boutelja, député et membre de la commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale. On veut passer d'une commune à caractère administratif vers une commune constructive qui peut participer dans la création de la richesse. Le projet de loi insiste plus sur la démocratie participative avec plus d'implication de la société civile à travers leur présence dans les différentes délibérations du conseil communal et dans les différentes consultations par rapport à la réalisation de projets d'intérêt commun. Le texte de loi prévoit des communes tournées vers l'investissement qui participent à la relance économique du pays. Abdelrahman Hadef, expert en économie. Il est important que ces collectivités locales soient dotées des instruments qui leur permettent de devenir un acteur effectif et surtout actif, que ces structures, qu'elles soient orientées vers la création de richesses, ne plus attendre les subventions, ne plus attendre les plans de développement à leur format classique. La loi donne aussi le droit à l'initiative de lancement de plusieurs autres projets, le logement, l'éradication de l'habitat précaire et même à la promotion de la transition énergétique au niveau local. Santé avec le lancement de la 4e caravane de dépistage des maladies non transmissibles comme les maladies cardiovasculaires, les cancers ou encore les maladies respiratoires chroniques. Les instances étatiques et la société civile prennent part à cette caravane. Le ministre de la Santé, Abdelhak Seyhi, est au micro de Hassan Chemache. Quel plaisir de voir aujourd'hui une contribution de l'association civile et de la société civile avec les instances officielles de l'État. Et ça, c'est la dynamique que M. le Président de la République a instaurée. Nous travaillons en collaboration avec la société civile pour le bien-être de notre citoyen. C'est un passage dans les zones déshéritées, en même temps qui va avec notre politique de rapprochement de santé du citoyen. C'est la 4e et nous continuons toujours partout dans le pays. La ministre de la Solidarité nationale s'est rendue ce matin dans des centres de formation spécialisés dans les formations des personnes aux besoins spécifiques ou encore des femmes au foyer. 15 000 projets ont été créés à travers ces centres de formation. Je vous propose d'écouter le directeur général de la protection et de la promotion des personnes en situation de handicap au ministère de la Solidarité nationale, Mourad Benhamzal, est au micro de Smaïl Mimouni.
cette visite par Madame la Ministre, donc c'était l'occasion de voir les différentes spécialités adaptées pour les personnes handicapées en matière de formation professionnelle. Ceci dit que les personnes handicapées actuellement, si on leur donne les possibilités et les moyens nécessaires, peuvent développer des capacités et on l'a vu à travers plusieurs ateliers au niveau de centres spécialisés de cours. Notre objectif, donc, c'est une fois la personne handicapée et là cette formation, il s'agit des formations qualifiantes de 6 à 9 mois. Cette formation lui permet d'être inséré dans le milieu de travail. Mais il s'agit d'un milieu de travail adapté. Sidi Ouzou abrite aujourd'hui une rencontre nationale sur la formation dans les métiers du tourisme. Le secteur peine à recruter une main-d'œuvre qualifiée et entend redéfinir ses besoins à travers cette rencontre. La correspondance de Mohamed Haouchine. Cette journée d'études qui regroupe des centaines de cadres des deux secteurs de la formation professionnelle et du tourisme de 13 wilayas touristiques du pays permettra de réfléchir sur les énormes potentialités du tourisme algérien et la variété considérable des métiers du tourisme et de l'hôtellerie qui exigent certainement une meilleure prise en charge dans les nombreux instituts nationaux de la formation professionnelle et du tourisme implantés à travers tout le pays, comme l'a affirmé le ministre de la formation professionnelle ISI Merabi lors de son allocution d'ouverture prononcée ce matin face aux nombreuses assistances. Enfin, il est à noter que les travaux de réflexion de cette rencontre sont répartis à travers trois ateliers consacrés à la vulgarisation des métiers du tourisme, la création de projets d'entrepreneuriat dans le domaine du tourisme et enfin l'enrichissement, la nomenclature des spécialités de la formation professionnelle en fonction des besoins d'emploi du secteur du tourisme. Tizi Ouzou, Mohamed Haouchine pour Al Jazeera 3. Il fait anormalement chaud pour un mois de janvier. Le mercure affiche 28 degrés dans certaines wilayas. Comment expliquer ces températures en pleine saison hivernale? Nous avons posé la question à Houaria Benrakta, responsable de la communication à l'Office national de la météorologie. Elle est contactée par Kalima Benour. Météo Algérie a prévu et prévoit encore des températures pour cette journée qui seront assez élevées par rapport à la saison. Des températures qui ont atteint presque les 28 degrés Celsius sur les régions ouest du pays, sur le centre frôlé les 24 à 23 degrés. Cette situation météorologique est le résultat de la présence d'air chaud en altitude. Et en plus de cela, c'est que dans les basses couches, on retrouve un flux, c'est-à-dire un vent favorisant la remontée d'air qui est chaud vers les régions sahariennes allant toucher les régions côtières et même les régions intérieures du pays. Ce flux a aussi favorisé par cette remontée de chaleur quelques particules de sable qui sont restées en suspension, surtout sur les régions ouest du pays. Météo Algérie prévoit un changement des masses d'air. On sera sous l'influence plutôt d'une perturbation qui va nous intéresser à partir de l'après-midi du vendredi. Donc elle va toucher les régions de l'ouest, ensuite du centre et de l'est. Et elle sera accompagnée d'un repli de chaleur. Mais ça sera une belle de température à partir du samedi. Voilà, si vous voulez en savoir davantage, je vous suggère de suivre le bulletin météo qui vous sera présenté dans quelques instants par Kalima Benour. Ce journal a été réalisé par Ahmed Dadou. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Samet qui était à la technique, Hossine à la régie d'antenne et Shiraz au streaming vidéo. Très bonne suite des programmes sur Al Jazeera 3.